All right, ladies and gentlemen, you're welcome to yet another edition of La Presse Refait Le Match. And we are beginning this week out there in Tunisia with Thierry Tchouente, who is on the line with us from Tunisia. Bonjour Thierry et bienvenue à La Presse Refait Le Match. Bonjour, bonjour, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de STV et à l'émission. Moi, c'est Thierry Tchouente, international camerounais, joueur de croissance sportive chez Bien en Tunisie, première Ligue 1. Oui. Ravi d'être avec vous cet après-midi. All right, it's also an honor for us to be with you now. Déjà deux buts dans votre compte dans le championnat tunisien avec CS Cheba. Comment vous sentez-vous de ce côté-là? Oui, aujourd'hui je me sens bien. Aujourd'hui je me sens bien. Surtout que le confinement vraiment qui a été difficile, la période de la pandémie coronavirus, qui a fait des ravages dans le monde entier. Et avec des mesures de barrière, c'était pas évident de maintenir la forme, mais nous avons repris les entraînements depuis plusieurs mois et aujourd'hui nous sommes en pleine compétition. Aujourd'hui j'ai cinq matchs et deux buts. Je peux dire que je me sens bien, mais je pense qu'il y a mieux à faire parce qu'il en reste encore cinq matchs pour la fin de saison. Et vous avez joué ce mardi soir. Comment le match s'est passé? Le match était difficile puisque nous étions du côté de Tataouine, une ville très loin de la nôtre. Mais nous sommes sortis de là avec un point. Je pense que nous avions fait l'essentiel. Comme on dit, mieux vaut un que zéro. Nous sommes sortis de là avec un point, on ne va pas cracher dessus, surtout que nous sommes une petite équipe qui se bat déjà pour le maintien, mais je pense qu'avec le match nul d'hier, nous avons assuré notre maintien. Maintenant, on va voir si on peut chercher la quatrième place qui est synonyme de Coupe africaine. Oui, et quand tu es arrivé là-bas au Tunisie, comment se passe l'accueil de votre coéquipier lors de votre arrivée au club? Oui, l'intégration a été, je peux dire, facile. Facile, pourquoi? Parce que j'ai trouvé des frères comme Cyril Kabogo qui a évolué avec l'Union Sportive de Douala. Il y avait Serge Seko, le Togolais, avec qui j'ai évolué dans le Coton Sport de Garoua. Je suis arrivé, je les ai trouvés. Mon intégration a été un peu plus facile vu qu'ils étaient là. Mais maintenant, pour les joueurs locaux qui sont les Tunisiens, Ce sont de bonnes personnes. Ils m'ont accueilli comme il se devait. Je suis venu au mercato hivernal. Ils m'ont pris comme quelqu'un qui venait là se battre, se chercher. Et puis bon, voilà, l'intégration a été, je peux dire, vraiment très bien, très bien. Ok. Est-ce que c'est difficile de jouer à l'extérieur ou à l'étranger? C'est pas difficile, mais c'est pas aussi facile parce que quand tu fais des milliers de kilomètres pour arriver dans le pays des autres, comme on dit souvent dans notre milieu, dans le pays des autres, c'est pas facile. Mais quand tu es un joueur qui a de l'ambition, un joueur qui a besoin de progresser, c'est très important. C'est très important, oui. Parce que jouer au Cameroun, ça, on l'a déjà fait. Tous, on l'a déjà fait. Mais maintenant, jouer à l'extérieur, c'est pas chose facile, mais j'ai de la chance parce que c'est pas ma première sortie. Donc pour moi, je suis comme quoi, je suis habitué, surtout dans les zones arabes. Et en quoi est-ce que c'est différent du Cameroun? C'est différent du Cameroun dans le sens du niveau déjà, parce que je pense qu'aujourd'hui le championnat tunisien est l'un des meilleurs championnats d'Afrique. Donc c'est différent dans ce contexte-là, dans le sens que tout est organisé, tout est bien placé, le niveau de jeu, le niveau de chaque club, le professionnalisme et tout. Donc c'est pas pareil. Mais bon, quand tu es joueur, comme je disais, qui a de l'ambition, tu dois laisser tout cela derrière toi et puis te concentrer et te dire, voilà, je suis sorti pour me battre. Oui. Voilà, je dois faire le boulot. Voilà.
Et lorsqu'on regarde le football au Cameroun et celui en Tunisie, quelles sont les différences majeures selon vous? Bon, les différents points que moi je peux peut-être, c'est dans le sens que les clubs sont professionnels. Quand je dis professionnel, je pense vraiment dans le sens propre du mot professionnel. Les clubs sont organisés, le championnat est bien organisé. Tout est en place pour que vraiment il y ait un certain niveau, une certaine ampleur, parce que c'est un championnat déjà aussi qui est regardé dans plusieurs pays, oui. Par rapport peut-être au Cameroun qui est plus regardé chez nous et peut-être dans quelques autres pays, peut-être ailleurs, peut-être en Afrique de l'Ouest. Par contre, ici, là, c'est regardé un peu de partout, en Europe de l'Est, dans le Golfe, et puis chez eux au Maghreb. Donc, voilà un peu la différence. Cette organisation-là, visibilité aussi. C'est ça un peu. All right. Et votre club est classé 8e sur 14 avec quelques matchs à jouer avant la fin du championnat. Est-ce que vous optimisez à quand à finir dans le haut du tableau? Oui, telles sont les ambitions du club, sorti 4e. C'est vrai, c'est pas facile face à des gros clubs comme les Espérance de Tunis, les Sfax, les clubs africains. Il y a des gros calibres devant. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà, comme je disais tout à l'heure, nous avons assuré déjà le maintien. Déjà le maintien, parce que faut pas se cacher aussi, le Croissance Sportive Chevillien, c'est un club qui joue comme ça sa première année en première division. Et je pense que déjà sorti de là, être déjà maintenu pour la saison prochaine, c'est déjà chose acquise. Et puis, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, il nous reste 5 matchs. Oui. 5 matchs, si on fait les calculs, si on va, parce qu'on a encore 3 matchs à domicile, si on va gagner tous les 3 matchs à domicile et puis aller se battre à l'extérieur, je pense que nous pouvons peut-être espérer une place africaine. Et tels sont les objectifs du club avant une place africaine. Surtout qu'on peut aussi encore compter sur la coupe. Sur la coupe, parce qu'actuellement, nous sommes en quart de finale. Oui, nous sommes en quart de finale. Nous jouerons contre Tataouine, l'équipe contre laquelle nous avons joué et on a fait 1-1. Nous les jouerons encore en milieu du mois de septembre. Donc, on peut aussi compter sur ça. Pourquoi pas une finale de Coupe de Tunisie et avoir une place africaine? C'est toujours des voies. Avec la crise du coronavirus affectant tous les pays du monde, quelles sont certaines des mesures mises en place pour freiner la propagation dans le milieu du football? Oui, comme ici, chez nous, ici en Tunisie, déjà vraiment, vraiment, le confinement était vraiment, vraiment, vraiment confinement, comme on dit. Tout a été respecté. C'est pourquoi la Tunisie a été l'un des pays qui a le plus bien géré la crise, la pandémie, le coronavirus. Oui. Et aujourd'hui, comme vous le savez, comme vous le voyez un peu de partout, nous jouons les matchs, ils sont à huis clos. Il y a toujours des mesures. Il n'y a pas plus de 50 personnes dans le stade, pas plus. Donc, on met peut-être les 22 acteurs qui sont sur le stade et puis les joueurs qui sont peut-être sur le banc de touche. Dans les gradins, on ne voit pas plus de 40 personnes. Donc, vraiment, tout est mis en place pour gérer cela parce que, quoi qu'on dise, le coronavirus a baissé, mais ce n'est pas terminé. Oui. Donc, nous restons prudents. La Tunisie reste prudente par rapport à cela. Et puis ça va, jusqu'ici ça va, pas de cas dans notre domaine qui est le sport. Jusqu'ici ça va. Et lorsqu'on regarde avant Corona et maintenant, comment le jeu a-t-il changé en Tunisie? J'ai pas suivi. Je dis que lorsqu'on regarde avant le coronavirus et maintenant, comment le jeu a-t-il changé en Tunisie? C'est plus pareil parce que quand tu joues peut-être avec 1000 personnes sur les gradins et quand tu joues à huis clos, c'est deux choses. Là, je vais dire que dans les matchs qui sont diffusés en direct, on écoute plus la voix des entraîneurs sur le banc de touche et la voix des joueurs sur le stade parce que sur les gradins, c'est plus pareil. Il n'y a plus des gens comme avant.
parce que vraiment la Tunisie, c'est un championnat vraiment élevé et qui a beaucoup de supporters. Donc, mais maintenant, là, les supporters, ils sont plus à la maison, regarder les matchs, encourager leur équipe via la télévision. Donc, l'ambiance n'est plus pareil. Oui. Mais bon, c'est la pandémie, c'est obligé de faire avec comme ça. Espérons c'est pour un moment et que la saison prochaine, vraiment, qu'ils puissent avoir du public. Parce que nous, en tant que joueurs, c'est toujours un plaisir de jouer et puis voir plein de monde dans les gradins. Voilà. Oui, oui. Bon, vous êtes francophone et là-bas, ils parlent l'arabique. Comment réagissez-vous face à la barrière linguistique? Bon, ça c'est un autre point. Bon, voilà, je pense que même notre entraîneur aussi, il est étranger, c'est un Français. Okay. Nous avons un traducteur et puis on a aussi un directeur sportif, M. Taufik, qui parle couramment arabe et français, qui nous aide dans la traduction. Ouais. Donc, si peut-être le code dit peut-être quelque chose en français, nous on comprend le français. Donc, pour nous, en relation entre coach et joueur, nous on n'a pas ce problème parce que le coach, lui, il est français, donc il parle français. Maintenant, dites au directeur sportif et au traducteur de traduire en arabe aux Tunisiens qui eux parlent arabe. Ok. Bon, et selon vous, qu'est-ce qui vous permet d'être ce milieu de terrain qui marque autant de buts? Comme on a vu partout. Qu'est-ce que je vais dire? C'est le travail. C'est le travail dans le sens que... J'essaye déjà, par rapport aux années passées, de plus me projeter vers l'avant. De plus terminer les actions. Avant, j'étais plus en regret. Mais aujourd'hui, J'ai ce aura-là d'aller un peu plus rôder aussi dans la surface, même si cela demande beaucoup d'énergie, parce que quand tu montes en étant milieu, comme ici je joue milieu relayeur, en étant milieu relayeur, il y a le replacement, et puis s'il faut plonger, donc du coup c'est le travail, ça demande beaucoup d'efforts, il faut monter, il faut descendre, défendre, c'est pas facile, mais aujourd'hui, je me sens bien dans ce sens-là, parce que comme on dit, c'est le travail qui paye. Aujourd'hui, je monte plus. Et puis, je suis à droit devant les buts. Donc, je ne peux que me féliciter moi-même parce que c'est déjà quelque chose d'être toujours là-bas. Et après aussi, maintenant, comme on dit, on ne joue pas seul. Il y a les coéquipiers qui savent, qui sentent les coups et qui me font des passes. Et puis, moi, je suis là peut-être quand il faut et profiter de ces occasions-là. J'ai mis 2 buts déjà en 5 matchs. Oui. Il y avait le Coton Sport, je mettais 7 buts. Oui. 7 buts, meilleur buteur de la phase aller, si j'ai bonne mémoire. Dans 13 matchs disputés. Ouais, je pense. Je pense. Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé à aller jouer en Afrique du Nord? Je ne suis pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller jouer loin en Afrique du Nord? Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est un choix sportif. Parce qu'après mon arrivée ici, j'ai la famille. J'ai parlé longuement avec mon papa, qui est mon premier manager, je vais dire, qui est mon premier conseiller direct. J'ai longtemps parlé avec lui. Et je pense avec lui, nous avons vu mieux que je me déplace ici. Parce qu'aujourd'hui, Thierry Twente n'a pas 18 ans ou 20 ans ou 21 ans ou peut-être moins de 23 ans pour dire qu'il va faire les calculs. Peut-être voilà, je vise l'euro, peut-être je vise l'Europe de l'Est, je vise si ça. Aujourd'hui, Thierry Twente a 28 ans et je pense qu'à 28 ans, on ne réfléchit plus. On dit bon voilà, c'est une occasion. Et puis je pense que si tu quittes le Cameroun, la MTN et Lille-One, pour arriver en première ligue tunisienne, c'est, tu ne recules pas, tu avances. Ouais. Alors pourquoi pas? Donc voilà, à 28 ans, on ne réfléchit plus. On s'est dit, bon voilà, on avance.
Surtout que la Tunisie, c'est l'un des meilleurs championnats en Afrique, comme je disais tout à l'heure. Oui. Et ton papa a-t-il joué un rôle dans votre exportation vers la Tunisie? Oui, beaucoup, beaucoup. Okay. C'est mon premier manager, c'est mon premier conseiller avant d'être mon papa et c'est mon meilleur ami. Donc si j'ai quelque chose, surtout dans le plan sportif, je vais déjà d'abord lui dire, bon papa, voilà, j'ai été approché par un club tunisien, j'ai été approché par un club dans Europe et tout. Je lui dis tout. Maintenant, il va me dire, bon voilà, moi je trouve que c'est mieux que tu attendes, c'est mieux que tu y ailles et tout. Je peux dire que c'est lui le maestro, je peux dire, de toutes les décisions que je peux prendre dans le milieu sportif depuis que je joue. Mmh. Ouais. Et votre père, Leon Trinité, il est entraîné ici au Cameroun. Quelle influence a-t-il eu sur votre carrière jusqu'à ce moment? J'ai pas suivi. Votre père, on parle de votre père, Leon Trinité. Il est un entraîneur ici au Cameroun, en Elite One. Oui. Quelle influence a-t-il eu sur votre carrière jusqu'à présent? Bon, vous savez, déjà d'abord, quand tu as un papa, quand tu joues au Cameroun et tu as un papa qui est entraîneur, c'est pas rien, c'est une bonne chose. Même si peut-être quelque part on va dire, voilà, tu avances, c'est parce que c'est ton papa est ci, ton papa est ça. Je vais passer mon papa. Je suis fier de l'avoir comme papa. Comment on choisit pas ses parents. Moi, je l'ai comme papa et j'accepte. Et puis maintenant, j'ai la chance parce que lui aussi, il a joué au football. Il a joué au football et aujourd'hui, il est entraîneur. Oui. Il est entraîneur. Donc voilà, s'il me dit, Thierry, voilà, tu es mon fils. Je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, je veux que quand tu arrives, tu sois concentré, je veux que si tu joues, que ce soit au Cameroun, que ce soit où, il a toujours son mot à dire. Il a toujours son mot à dire, même si parfois, moi je me dis souvent, peut-être il me prend encore pour ce petit-là, peut-être de 18 ans ou de 17 ans, mais après je ne vais pas lui reprocher cela parce que un papa, comme on dit, on ne grandit pas devant son papa, tu restes son fils, voilà. Parce que parfois, vraiment, c'est agaçant de dire, voilà, tu dois faire ci, ça, tu dois te concentrer à tous les matchs, tu dois faire ci, ça. Ça me dérange parfois, mais j'arrive à gérer cela parce que j'accepte déjà que c'est mon papa, il est mieux placé. Il a joué avant moi, aujourd'hui, il est entraîneur, donc il sait se placer dans la peau d'un joueur. Et après, c'est un papa, c'est un entraîneur. Oui. Et maintenant que vous êtes hors du pays, quel conseil vous donne-t-il? Les mêmes comptes partout. Lui, il ne fait pas de différence. Que je joue au Cameroun, que je joue à Oman, que je joue en Angola, qui sont les pays dans lesquels je suis passé, il va me dire, tu restes concentré. Si tu es sorti, tu sais ce que tu es allé faire. Tu es allé te battre, tu es allé te chercher, tu es allé chercher du temps du jeu, parce que c'est toujours ce qu'il me demande. Le temps de jeu. Chaque fois que je finis un match, tu as joué combien de est-ce que tu as commencé le match? Oui. Est-ce qu'on t'a remplacé? Si oui, combien de minutes tu es resté dans l'air de jeu? Et après, est-ce que tu as marqué? Donc, il y a toujours ces questions-là qui reviennent. Donc, du coup, c'est les mêmes conseils qu'ils me donnent partout. Pas de différence, peut-être parce que je suis en Tunisie, il faut faire ci, ça. Partout où je suis passé, c'est les mêmes questions qui reviennent. Il veut toujours savoir, il veut toujours que je sois au top niveau et tout. Donc, c'est ça. Oui. Ah bon, avec la prochaine CHAN, la plupart auraient privilégié l'opportunité de se positionner au sein de Lyon A'. Regrettez-vous le fait de ne plus être éligible pour cette compétition? Non, du regret, non. Du regret, non. Parce que comme je vous ai dit, j'ai longtemps parlé avec le papa avant de prendre ces décisions. Aujourd'hui, si je dis je regrette, c'est que vraiment je me mentirai à moi-même. Donc, je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir fait ce choix. Parce que je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, à 28 ans, tu ne vas pas te poser des questions. Il y a le champ, il y a ci, ça. Mais voilà, je me dis ceci. Si je vais jouer le champ, ça c'est ce que moi j'ai parlé avec le papa. Si je vais jouer le champ, et après le champ,
Le croissant sportif chez Bien, club de première division en Tunisie, vient, m'approche, me dit, voilà, on a besoin de toi. C'est pareil. C'est comme si j'ai juste laissé le champ et je suis parti peut-être dans le club qui allait me prendre pendant le champ. Donc, du coup, je pense que tout joueur camerounais aimerait jouer à l'extérieur. Alors, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que je pense que j'ai avancé, je n'ai pas reculé. Oui. Donc, pour le champ, pas de regret. Et maintenant, personnel. Maintenant que c'est très certainement, vous ne serez pas du prochain champ. Envisagez-vous un retour avec l'équipe nationale? Bien sûr. Telles sont mes ambitions, je vais dire, telles sont mes ambitions vraiment pour cette fin d'année, voire avec la Coupe d'Afrique qu'on a renvoyée, je pense. Les ambitions vraiment de 2021 sont vraiment d'emporter dans ce sens-là. Puisque si aujourd'hui je ne suis pas qualifié pour être appelé en équipe nationale après, ça veut dire que je dois travailler 10 fois plus pour pouvoir être vu en équipe nationale. Ah, donc aujourd'hui j'ai plus le choix. Comme j'ai dit, j'ai décidé d'avancer. S'il fallait que j'avance encore plus, je pense que je devrais traverser ce palier-là de A prime à A, puisque déjà aujourd'hui j'ai fait toutes les sélections au Cameroun à part les A. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que je ne suis pas ambitieux dans ce sens-là. Au contraire, c'est un objectif vraiment, vraiment qui me tient à cœur. Mais je sais que ça passe par le travail et beaucoup de performances. Et pourquoi pas un jour aussi, je pourrais être appelé. Maintenant, revisitons votre passage ici au Cameroun en commençant par Coton Sport de Garoua où vous avez marqué 7 buts dans 12 matchs. Comment décrivez-vous votre passage à Coton? Oui, mon passage avec le Coton Sport de Garoua a été, je vais déjà d'abord parler par mes débuts, qui n'étaient pas faciles, parce que là, tu quittes Douala, tu es arrivé dans une ville comme Coton, changement de climat, pas la famille à côté de toi, pas tes amis à côté de toi, différentes mentalités, c'est du côté du nord du pays. Les débuts n'étaient pas faciles. Mais comme j'ai dit, quand tu es un joueur ambitieux, tu dois te dire, bon voilà, si j'ai laissé tout le monde derrière moi, arriver ici, c'est pas pour dormir, c'est pour travailler. J'ai travaillé, j'ai pu en début gratter du temps de jeu, même si cela ne suffisait pas. Mais après l'arrivée du coach Emmanuel Ndoubé-Rousseau, qui est arrivé, qui m'a vu, un coach qui m'a tenu avec les Astres de Douala de par le passé, il est venu, il a dit, bon voilà, je ne savais pas que tu étais là. Je lui ai dit, coach, je suis là. Il m'a dit, bon, je vais te faire confiance. Et je pense, quand il est arrivé, vraiment, tout a changé. J'ai trouvé du temps du jeu, j'ai eu de la confiance. Et puis, j'ai fait un très bon fin de championnat et des play-offs aussi. Même si nous ne sommes pas sortis champions, nous sommes sortis deuxième parce qu'on a perdu la finale face à l'UMS de Loun au stade militaire. Mais j'étais content de ma saison parce que je ne l'ai pas raté. Et après, la saison qui a suivi, là, j'avais déjà un certain statut dans le club. J'ai juste continué à travailler pour pouvoir maintenir ma place, même si au début, j'avais une petite blessure qui me dérangeait. Mais après ça, tout est allé si vite. Tout est allé si vite, voilà, contre Stade Rennais de Melun, doublé face à Union de Douala, doublé face à Edin à Garoua, doublé. Et après, face à Bamboutos de Bouda, un but. Tout est allé très vite. Après, convoqué en présélection pour le CHAN. Donc voilà, le passage à Coton vraiment était bien. Surtout que j'ai été accepté par les supporters qui, pendant les moments difficiles, parce que j'en ai eu, m'ont aussi soutenu et mes coéquipiers qui aussi étaient avec moi. Donc, très content de mon passage dans le club mythique de Garoua. Et comment était votre relation avec les fans de Coton Sport de Garoua? Comment était votre relation avec les fans de Coton Sport de Garoua? Avec les fans? Oui.
Oui, vous savez, Coton Sport, c'est une équipe très difficile qui ne demande qu'aux joueurs, surtout nous qui sortons surtout nous qui sortons du Sud. Ouais. Ils sont très exigeants. Ils sont très exigeants dans le sens que si vous ne jouez pas, un peu comme partout ailleurs, comme tous les supporters, comme tous les fans, dans les clubs, que ce soit en Europe, que ce soit dans le golf, que ce soit partout. Quand vous jouez, ils sont avec vous. Mais quand vous ne jouez pas, c'est un peu difficile. Bon, moi, j'ai eu la chance que, au départ, ils ne me connaissaient pas vraiment. C'est où je ne jouais pas. Donc, du coup, ils n'avaient pas trop l'œil sur moi. C'est quand j'ai commencé à jouer qu'ils ont mis l'œil sur moi. Et après, c'est allé tout seul. Et après, ils m'ont pris dans leur cœur. C'était déjà comme une famille, que ce soit du côté de Bafoussam, qui nous soutenait, que ce soit du côté de Yaoundé, du côté de Bertois. Ils étaient là, voilà. J'étais entré dans leur cœur. Bon, et nous savons que vous avez évolué au sein de plusieurs clubs dans le pays, y compris les Astres Football Club de Douala. Parle-nous de votre carrière, de là où elle a commencé, des clubs dans lesquels vous avez joué avant d'arriver en Tunisie. Un parcours de votre carrière. Oui, j'ai débuté avec le CFTC, avec le CFTC dans le club où je pense que l'ancien président de Tombiaroko, oui. Bon, après le CFTC où j'ai fait, je pense, 2 ans. Je pense j'ai fait 2 ans là, je pense j'avais dans les 14, 15, 16 ans, je pense. Après, je suis revenu avec les Astres de Douala. Les Astres de Douala, je suis venu, je pense que j'étais cadet, j'avais peut-être 17 ans. Après, je suis revenu avec les Astres de Douala, club où j'ai fait, je pense, une demi-saison avec l'équipe réserve. Et après, on m'a surclassé. Après, on m'a surclassé. Mais là, j'étais déjà international, cadet. Donc, du coup, ça a été un peu facile d'intégrer l'élite. Bon, avec les Astres de Douala, j'ai joué près de, je ne sais pas quoi, 5 saisons, je pense, 5 saisons. Après, je suis parti avec Douala Athletic Club, DAC 2000. Oui, où j'ai fait une demi-saison. Ensuite, je suis parti avec. J'ai quitté le pays, je n'ai pas fini la saison, j'ai quitté le pays. Je suis allé avec Mibad Club, un club à Oman. Oui, où j'ai joué pendant 2 saisons. Je suis revenu, je me suis engagé encore avec les Astres de Douala, où j'ai fait juste quelques matchs, puisqu'il n'y avait pas assez de temps. Quand je reviens d'Oman, j'avais juste un peu de temps à faire. Bon, je ne voulais pas rester comme ça à la maison. Je me suis engagé avec les Astres, mais j'ai fait juste quelques matchs. Je suis parti en Angola, en Angola où j'ai joué une saison. Quand je reviens de l'Angola, je m'engage avec le Coton Sport. Et puis Coton Sport, voilà, où j'ai fait une saison et demie. Et puis aujourd'hui, je me retrouve en Tunisie avec le Croissant Sportif chez nous. Ok. Bon, et pourquoi avez-vous décidé de choisir le football comme métier et quel âge avez-vous décidé que c'était ce que vous voulez faire? Bon, vous savez, quand vous avez un papa footballeur, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Voilà, je pense que j'avais quoi? J'avais peut-être 16 ans. 16 ans, 15 ans, où j'ai dit au papa, bon voilà, papa, moi j'ai aussi envie de jouer comme toi. J'ai envie de jouer comme toi. Il ne m'a pas découragé, au contraire, il m'a confié chez son ami, le coach Gabriel Dosé-Zabo, qui Oui. était à cette époque avec le CFTC. Oui. Il m'a confié à son ami, parce qu'en ce moment, lui, il n'était pas entraîneur. Lui, je pense qu'il travaillait en ce moment. Donc voilà, ça n'a pas été difficile ce choix, puisque j'ai ça coule dans mes veines. Le papa qui a joué et puis le fils qui joue, ça ne va surprendre personne. Le football, c'est ce que j'ai dans le cœur, c'est ce que j'ai dans le sang.
temps. Ça n'a pas été une très grande décision quand même pour moi. Et on sait que vous avez, vous êtes engagé pour 2 saisons et demie avec CS Sheba. Que prévoit la suite? Finir ce bail, aimeriez-vous renouveler ou passer à autre chose? Oui, aujourd'hui, je pense que je me suis engagé en début janvier pour 2 ans et demi. Donc, je pense que s'il faut penser à la suite maintenant, c'est très tôt. C'est très tôt parce que je suis à peine à 1 an de mon contrat. J'ai signé 2 ans et demi. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus à me concentrer sur le championnat. J'ai plus à me concentrer sur le championnat que de regarder peut-être, je ne sais pas, ailleurs ou bien non. Au contraire, je me suis engagé pour 2 saisons et demie. Je dois faire le boulot. Mais maintenant, après, comme on dit, on ne sait pas comment vont parfois les choses. Mais moi, je reste concentré déjà d'abord ici parce que je me suis engagé, j'ai un contrat à respecter. Maintenant, la suite, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et si on peut dire dans 2 ou 3 ans, where do you see yourself? Qu'est-ce que vous voyez dans le futur, dans 5 ou 3 ans? Bon, dans 5 ou 3 ans, peut-être, je ne sais pas, je me vois peut-être en Arabie Saoudite. OK. All right. So, thank you very much for taking time out to talk to La Presse. Refait le match this Tuesday, Thierry Twente. OK. Thank you. All right, so thank you and wish you the best as far as your football career out there in Tunisia is concerned. Okay, thank you, my friend. Thank you à tout le monde là-bas. Je profite comme ça. Je salue ma maman. Je salue mon papa. Je salue la famille. Je salue mes amis. Et puis j'espère que La pandémie, parce que je sais qu'actuellement, ça court toujours, que vraiment, la vie va suivre vraiment le cours normal. Parce que jusqu'à présent, nous ne vivons pas normalement, comme peut-être il y a peut-être 9 mois. Donc, j'espère que tout ira bien. Je salue tout le monde du côté du Cameroun. Et puis, moi, ça va, je me porte bien. Je suis en pleine forme, je rends grâce à Dieu. Et après, tout le monde, vous vous portez bien. Merci. Et le point avec eux. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que certaines incertitudes, notamment liées à la situation sanitaire, ne permettent pas d'envisager le début de la compétition le 26 septembre comme initialement prévu. La pandémie est en train de reprendre de la vigueur un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'au Cameroun, la situation est un peu plus maîtrisée. Mais il y a des mesures qui sont édictées, notamment sur le nombre de personnes maximales pouvant se réunir, qui ne permettent pas, en l'état actuel des choses, une reprise des entraînements, une reprise de la compétition. Donc nous devons d'abord clarifier tous ces points-là avant de pouvoir fixer une date définitive. Aujourd'hui, nous nous préparons tous à lancer pour le mois d'octobre en espérant que les incertitudes qui demain seront levées d'ici là. Quand M. Bamba termine par là, est-ce que vous avez tiré les leçons de ce qui s'est passé l'année dernière et corrigé pour la nouvelle saison? Bien entendu, l'objectif c'est toujours de faire mieux que la saison précédente. Je peux vous dire que sur la qualité de l'organisation, la qualité des matériels qui seront utilisés, même la qualité des infrastructures, puisque nous avons l'accord des autorités sur l'utilisation de certaines infrastructures prévues dans le cadre des compétitions CHAN et CAN. Donc, sur tous ces points, à tous égards, la compétition sera de meilleure qualité que la saison précédente. Nous avons pris également des mesures pour que toutes les dispositions qui doivent être prises en vue de protéger les acteurs dans le cadre de la pandémie actuelle
puisse être effective au stade et que les compétitions puissent se dérouler en parfaite sécurité pour ceux qui auront l'autorisation de venir dans nos stades. On a parfois vu les clubs revendiquer, c'est tout est arrangé pour éviter certains désagréments avec les clubs qui posent des préalables. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème pour les clubs. Et je pense qu'ils nous ont dit qu'ils allaient nous saisir officiellement de ce problème-là. Ils ont posé d'autres problèmes. Nous avons trouvé des solutions pour ces problèmes. Par exemple, nous avons pu annoncer au club, au niveau de la fédération, que la filiation des clubs cette année sera gratuite. C'est toujours une mesure qui vise à accompagner les clubs dans la situation difficile actuelle. Nous avons pris en leur faveur d'autres mesures également qui leur faciliteront la tâche. Donc maintenant, je crois savoir qu'ils ont d'autres préoccupations et qu'ils comptent porter. Oui, peut-être ils comptent porter ça à notre attention incessamment. Donc dès que j'aurai la quintessence de ces préoccupations-là, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Among the 30 players called up to camp, Yves Clément Aroga Asensio has kept fit with some key names in the den. In the goalkeeping compartment, he has decided to go with Simon Lottin Omosola, Dande Junior and Letizi Epane, all familiar foes, while the likes of Etame Ngombe, Thomas Etabawak, Do Alemukoko, and a good chunk of top defenders in the country's top flight make up the defensive block of the team. The training session, which is expected to kick off on September 15 at the CAF Excellence Center in Bankomo, will see Mark Ojonkongo, Ebonge Yannick, Pangelobe amongst the 13 midfielders called up, while six attackers are in the den, including last season's top scorer Leon Boyomo, Samuel Allen, Mbappe Muller and Arunan Dang. This list comes on the heels of the postponement of the local championship by Fecafoot to October, initially slated to begin on September 26. 3 months to the competition is, however, time for the players to come up to full fitness after over 5 months without competition as a result of the outbreak of the coronavirus. Hello there, ladies and gentlemen. You're welcome to the second part of this program, La Presse Refait Le Match. And on this second part, we are going to be focusing on the list of 30 players called up by Yves Clément Aroga Asensio for the Intermediate Lions of Cameroon as they prepare for the upcoming African Nations Championship. Plus, we shall also be talking about the postponement of the League One Championship, which was supposed to begin on the 26th of September. It has been pushed to October, and we shall also be talking about focusing on Union Sportive of Douala and the management and at the top level. The crisis which is ongoing at the management of that club. This and more shall constitute the package on tonight's edition of the program for this second part. After we spoke a while ago with Thierry Twente, who was playing in this championship with Cotonsport of Garowa, and I'm joined by Emmanuel Mahop, who is with me here. Good afternoon, Emmanuel, and you're welcome on board La Presse Refait Le Match. Bonsoir, Don Fall. Merci encore de me convier à cet échange dans le cadre justement de cette émission. Vous parliez de la liste hier, on va en reparler. Voilà, merci encore une fois de me convier. Ouais. All right, and so let's start analyzing that list of Yves Clément Aroga Asensio. We know why there are familiar names, 30 names, which have been called up to the Lions Den. We have the likes of Omosola, Simon, Dande Junior, as well as Epane Letizi of Stade Renard of Melong for the goalkeeping compartment. Ouais, parlant des gardiens de but, déjà on se rend compte, hein, à l'évidence d'ailleurs, que c'est les mêmes qu'il a appelé depuis. Voyez-vous, que ce soit dans des juniors à PGS, que ce soit Letizi et Pandé, Stade Renard, vous en parliez, et même Omosola
Simon, qui évolue localement, d'après ce qui est dit, Babuto Zoboda, même si on avait l'impression qu'il était quand même sorti du pays à un moment donné, mais espérons que c'était une sortie pour du beurre, je vais le dire comme ça, qu'il est bien le portier de Babuto. À partir de là, c'est tout à fait compréhensible qu'il ait appelé les trois gardiens qu'il appelle depuis, parce que tous évoluent du côté du pays. Mm-hmm. And with these three, you would say that there is going to be cohesion as far as that is concerned, because like you said, they've been together, and with the likes of a panel who was called up by the senior national team, you would say that is a bigger booster to the team. On a deux qu'on appelle régulièrement, Chelea, Simon Omosela, justement, quand il était au Coton Sport de Garoua, il a d'ailleurs fait toutes les catégories. Il a fait toutes les catégories et donc voilà, il est appelé pareil pour Epande Letizi, qui lui était appelé pour la première fois, mais après Andande Junior aussi, qui flirte avec les sélections inférieures. D'ailleurs, il faisait partie du groupe de Rigobert Song en Égypte il y a quelque temps dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Non, ils reviennent régulièrement et ils jouent au pays, donc c'est la crème des crèmes, sous réserve justement de quelqu'un qui pourrait sortir du lot pour être appelé aussi parlant de gardien de but. Defensive compact men, we see the likes of Etamen Gombe, who was just signed for Coton Sport of Garoua, but was voted last season as the best player for Bambuto's Football Club of Buda. J'aurais personnellement souhaité que Bambuto Mbouda le conserve, mais ça ne sera pas le cas. Malheureusement, il n'a pas fait son contrat avec le Coton Sport. C'est une plus-value pour le Coton Sport, compte tenu du fait qu'en l'état, que le Coton soit le club qui représenterait, je le dis au conditionnel, le Cameroun en Coupe CAF. Voyez-vous, compte tenu du fait que la Coupe du Cameroun, justement, s'est arrêtée au 32e et va plus jouer. Donc le Coton Sport de Garoua sera africain. Donc il lui faut des joueurs assez sympas. Et puis il y a quand même certains noms qui reviennent. Hein. Tout de suite, j'ai envie d'embrayer dessus. Et Tabawa extraordinaire, qui peut jouer left back, qui peut jouer right back. Honnêtement, on ne peut pas parler d'une équipe du Cameroun maintenant, locale, centre et Tabawak. Après, il y en a d'autres, hein, comme Munkoko, justement, qui font partie de cette garde-là. Ils sont rappelés régulièrement. Voilà, absolument. Donc, c'est cela qu'on a appelé régulièrement. Mais in fine, c'est vrai qu'on est en train d'analyser compartiment par compartiment, mais on se rend quand même compte que de tous ces 30 noms, il y en a vraiment la quasi-totalité qui sont revenus depuis que Clément Aruga a pris les rênes de la sélection. On va dire que c'est une continuité pour que la cohésion existe, pour que l'esprit d'équipe surtout demeure au sein de ces 30-là. That defensive compartment, we see the likes of Serge Andulo, who with last season we didn't really see that much of Serge Andulo, who was playing with Union Sportive of Douala, and his name being added into this list. Would you say it's coming as a surprise, or he merits his place in this lineup? En réalité, on ne peut pas parler de surprise pour la simple raison que dans la tête de Clément Aruga, évidemment, les gamins n'ont plus joué depuis 4-5 mois. Donc physiquement, il est certain qu'ils sont entamés. Même les Gombe dont on parlait, même les Omosola, etc. Forcément, ils sont entamés. Ils n'ont pas joué de compétition officielle. Donc c'est beaucoup plus dans l'esprit du groupe, dans l'esprit de cohésion, dans l'esprit de maintenir cette idée, cette fraternité-là, j'ai envie de dire, qui convoque les joueurs qu'il connaît justement, qu'il a appelé depuis. Après, évidemment, sur le plan physique, progressivement, quand ils vont rejoindre leur club, quand ils auront joué des matchs, après que le championnat ait démarré. D'ici à là, il y aura quand même le facteur physique dont on va plus tenir compte. Donc en l'état, honnêtement, surprise pour Serge Andulo, non, parce qu'il est revenu régulièrement. Après, sur le plan physique, j'en parlais tantôt, on va certainement les booster pour être au point, pour être des compétiteurs. To you know, occupy the space that Alphonse Marie Tinchi has always been occupying as far as that left flank is concerned. Would you say it will be an added advantage for us to have the likes of Serge Andulo? On sait, Serge, hein, avant même que de se rendre au Coton Sport de Garoua, ancien joueur de Union, il a flirté avec les catégories inférieures, vous en avez souvenance, avec le coach Sioé, de regretter mémoire. Donc Serge, c'est quasiment le même pendant, c'est quasiment le même profil, j'ai envie de dire, qu'Alphonse Marie Tchouinte. Donc oui, c'est quelque chose de, c'est bien, c'est quelque chose de sympa. C'est d'autant plus qu'il a quand même évolué dans des clubs assez sympas, Union de Douala, on en parlait, Coton Sport de Garoua, maintenant réunion de Douala, même si la saison s'est arrêtée dans les conditions que l'on sait. Non, c'est quelque chose, c'est une aide quand même pour Serge Andulo en réalité. Après, pour tout cela, d'ici à là, on l'espère bien, physiquement ils seront au point et pourront, pour ceux-là qui vont rester dans la tanière, défendre valablement les couleurs du Cameroun pour espérer aller chercher leur première chance. For the likes of Mark Ojongkongo, who has been spectacular as far as this team and playing for Bambuto is concerned, and captain of this intermediate Lions team.
Honnêtement, pour moi, Marc, vous savez, l'estime que j'ai pour Marc, en réalité, peut-être c'est pas le consultant qui va parler, c'est peut-être celui-là qui est fan de Marc Odion. Non, honnêtement, je suis pas le seul. Tous les experts du foot d'ici, d'ailleurs, vont vous dire que Marc Odion, c'est la plus-value de cette équipe nationale. Dans l'entrejeu, c'est une pieuvre à tentacules. Il peut récupérer, il peut dribbler, il peut shooter, il peut jouer long, il peut jouer court. Et tactiquement, il est au point. Aidé en cela quand même aussi par sa venue. On va pas perdre de vue qu'il a joué au USA avant que de revenir. Donc, il est venu rebooster sa carrière avec Bamboutos. Et quelle saison il a fait avec Bamboutos et par ricochet avec l'équipe nationale aussi. Donc, Marc Odion, honnêtement, s'il est le Marc Odion qu'on a connu pendant le championnat, c'est une plus-value pour cette équipe-là. Il pourrait peut-être pas lui tout seul, mais il pourrait contribuer à amener le Cameroun à aller chercher ça. Non, 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 qu'il soit là, c'est une bonne chose. Je pense que les autorités même ont eu une causette avec Marc Odion pour qu'il reste en espérant justement qu'après le champ, qu'après la victoire, ben, qu'il s'en aille parce que c'est un joueur qui est fait pour jouer à l'extérieur. Household name as far as Cameroon football is concerned in this list. We're talking about the likes of Abandan Kwa. We also have the Rene Diazuo as well as Yaya Abdoulaye, who was a sensation as far as last campings were concerned. When you look at this midfielding compartment, you would say we are really rock solid as far as the midfield is concerned. Fin maintenant avec Marc Odion, mais après on reste justement dans le cœur du jeu avec René Ndi également, hein, coéquipier de Marc Odion avec Bamboutos et même en sélection. Honnêtement, pour moi, Ndi fait partie des joueurs les plus techniques de notre championnat en termes de manipulateur, en termes de manipulation autant pour moi de balle. Il est extraordinaire. Il peut à lui tout seul changer un match, mais après il faut une discipline individuelle quand même hein, pour René Ndi, que ce soit dans le cœur du jeu ou sur les flancs. Trop technique, honnêtement, il fait du ballon ce qu'il veut, mais après on va certainement le canaliser à être beaucoup plus professionnel dans sa tête, à être un joueur de la gagne, parce qu'après on peut être technique et être un joueur spectaculaire, c'est vrai, c'est bien beau, mais il faut être un joueur de la gagne. Donc voilà, après les autres aussi, non, c'est un savant mélange. Moi je suis à la place de Clément Aroga, il a bien réfléchi, d'ailleurs il pouvait pas appeler quelqu'un d'autre, il pouvait que appeler ceux qu'il connaît, parce qu'il il n'y a aucun critère maintenant qui pourrait l'amener à sélectionner les joueurs, compte tenu du fait, j'en ai parlé, 4-5 mois sans jouer, donc on ne peut pas les jauger, mais il a envie justement de maintenir son squelette, il a envie de maintenir la colonne vertébrale de son équipe, et il les connaît quand ils sont bien physiquement, il a envie de les connaître quand ils ne sont pas bien physiquement, et former justement, remettre la famille ensemble, pour qu'on l'espère bien, après que le physique soit au beau fixe, ben voilà, qu'il soit bossé pour aller chercher la gagne ce champ en janvier. That's the wings of this team, you see that probably they have the best candidates. We're talking about Yaya Abdoulaye as well as Orich Pangelobe. These are some of the best wingers that we can find in this championship. Parler de wingers, donc de flancs, des joueurs liés à l'ancienne, hein, pour le dire en français, en la langue de Molière, on en a besoin. Vous savez, les équipes maintenant, elles gagnent dans le cœur du jeu quand on récupère et surtout sur les flancs. La plupart des équipes maintenant, européennes, américaines, etc., brésiliennes, se retrouvent en train de jouer le 4-3-3. Et quand on joue à ce système-là, il faut de bons flancs, voyez-vous. Donc on en a, vous parliez Pangelobe, extraordinaire aussi, autant que Ndi. Non, c'est honnêtement, c'est une équipe quand même qui est taillée peut-être pour aller chercher le centre, mais il faut regrouper, il faut mettre tous les ingrédients de leur côté, surtout sur le plan physique, parce qu'on a beau parler de ce stage-là, c'est un stage assez sympa, peut-être qui a envie de permettre à ces gamins de se retrouver ensemble, parce que quand on est une sélection, en réalité, l'esprit de groupe ne doit pas manquer, l'esprit de famille ne doit pas manquer, c'est en prélude de ça, mais on parlait de l'entrejeu également, permettez-moi de faire une entorse à votre synopsis, on a oublié quand même quelqu'un comme Yannick Ebonguet, qui pour moi aussi peut être une plus-value dans l'entrejeu pour cette équipe. Certainement une sorte de 6, avec Odion qui jouait 8. Non, ce serait sympa. Non, après, c'est super bien ce qu'a fait le coach Aroga pour l'esprit de famille, pour l'esprit de groupe. Après, de fil en aiguille, step by step, ils vont retrouver le physique et être d'appoint pour aller, on l'espère, chercher le champ au Cameroun. When you look at that attacking compartment, you see the likes of Leon Boyomo,
top scorer in the championship last season, but left PWD of Bamenda and finds his name as far as the 30 is concerned. What do you make of this? Agréablement surpris, voyez-vous, évoluant à PWV de Bamenda. Il faut dire que le coach Pagou a su l'utiliser, a su le faire sortir de faire renaître de ses centres, je vais le dire comme ça, parce que honnêtement, personne ne voyait meilleur buteur Boyomo dans cette équipe de PWD, même si pour ses convocations en sélection KM, ça n'a pas été, j'allais dire, les performances escomptées à chaque fois qu'on l'a appelé en sélection, mais à PWD, honnêtement, c'était un peu le Batistuta de l'époque. C'était un peu le Jean-Pierre Papin, je veux dire, le système PWD était taillé sur lui, d'autant plus que PWD avait d'excellents flancs, on parlait des flancs là tout à l'heure, donc Boyomo s'est retrouvé en train de marquer des buts, but sur but, et du coup, il était tout à fait logique qu'on le convoque en sélection. Mais quand on parle de l'attaque quand même, des Lions Indomptables version Cham, il y a un nom qui reviendra toujours, ce sera Lynn Samuel, on sait ce dont il est capable avec l'Union de Douala, on connaît son expérience, on sait qu'il était là au Cham déjà il y a deux ans au Maroc, voilà, donc en 2008, en 2018 avec la bande Rigobertson, même s'ils n'ont pas fait un grand boulot, on sait qu'il était là quelques années avant, je crois que c'était du côté du Rwanda aussi, donc il a toujours été là, c'est quelqu'un, c'est un atout majeur, compte tenu de son expérience, compte tenu de son pédigré, compte tenu de son vécu, quand on parle attaque des Lions, honnêtement, un nom revient, c'est un lead, mais après les Boyomo pourraient également être de bons compléments pour cette équipe-là, parce que avoir un bon attaquant, un killer, un tueur de surface, c'est aussi important. Et Boyomo, peut-être s'il est retenu, il pourrait jouer ce rôle-là. Men of this team, you obviously cite the names like you've caught Len Samuel, Mbappe Müller. But when we look at this list, finally, we have the likes of Aruna Dangbisene, who last season played very few games for Bamutu's Football Club of Buda and finds himself as far as the 30 players called up is concerned. But nevertheless, his physique is going to be very useful for this team. De son physique, on sait que il a été convoqué pendant le championnat, pendant que le championnat se jouait l'année dernière. Mais il faisait partie des listes d'attente en réalité. Mais il n'a pas trop joué, vous le rappeliez. Mais compte tenu du fait qu'il fallait régler le problème lié à son transfert, et voyez-vous, il n'a pas fait un contrat avec Bamboutos. Le temps était passé, donc il fallait attendre le temps requis, le temps idoine pour être joueur de Bamboutos. Ça s'est fait. C'est vrai qu'il n'a pas été flamboyant, on le sait, mais il a aussi de particulier également à Runandan, meilleur joueur. Quand la LFPC a organisé le championnat, vous en avez souvenance, il y a quelques années, il est passé par UMS de Loum, il a fait de bons résultats, il était à l'étranger, il est revenu à Runandan au-delà de son physique. Évidemment qu'il a un physique assez sympa, mais il ne faudrait pas peut-être cataloguer ou bien limiter les perfs de Runandan à son physique. Très bon gaucher, c'est un peu, il me ressemble un peu à Christian Vieri à chaque fois que je le vois jouer. Il peut être un atout également énormissime, c'est d'autant plus qu'il a l'expérience en club à l'étranger. Voilà, aidé en cela par son envie de la gagne, ça pourrait être un atout aussi pour cette attaque-là avec Lynn Samuel, pourquoi pas. Non, in fine, Müller, vous en parliez tout à l'heure, non, in fine, c'est d'excellentissimes attaquants, avec chacun quand même qui a cette particularité d'être peut-être dos au but pour Arunandan, qui peut amener sa vitesse aussi, mais avec Müller qui est trop fin, trop technique, qui peut marqué aussi, ben Lynn Samuel qui est un peu un savant mélange de tout ça, donc ça peut se jouer là-dessus, peut-être qu'il va falloir en recruter davantage, peut-être il y en a peut-être qui vont pas faire partie de l'aventure, mais c'est de bons attaquants, aider en cela, je vais y arriver par le collectif, ça peut être une bonne équipe pour le Cameroun, pour le champ à venir. Right up to this point, they haven't lost a game so far out of the about 8 games that they've played, and this training program is going to last run from the 15th to the 25th of September, and it's coming just a few days after the announcement by Fecafoot or the CTT that the championship will no longer take place on the 26th of September. It has been pushed to October. With all these uncertainties, he will have a lot of time to bring forth his final team and wait for the championship to begin so that he can at least pick up his final team, but there is no time for that.
Oui, il n'y en a pas en réalité. Quand vous dites est-ce qu'il aura assez de temps, je ne pense pas qu'il en ait. C'est d'ailleurs pour ça que le coach il a, et son staff, hein, Ndoubé Bosso, etc., le coach Clément Aroga, ils ont pensé convoquer les joueurs, une trentaine justement, pendant une dizaine de jours, pour les voir, pour espérer justement maintenir cette vie de groupe, cette vie de famille, cette vie de cohésion. C'est très important. Après, sur le report de championnat, vous en avez souvenance, mardi dernier, on en était à spéculer dessus, à parler de ça, même si la date avait été connue par la voie la plus autorisée, hein, de l'organisation du championnat. Le président du CTT, Alim Konaté, vice-président de la FECAFOOT, il avait annoncé que le championnat commencerait le 26. Ben voilà, ça ne se fera pas. Malheureusement, on va le dire comme ça, pour des raisons évidentes. Il y a des raisons inhérentes à la santé, il y a des raisons inhérentes quand même certainement aux moyens. Il faut contenter les présidents de clubs, etc. Il y a des raisons inhérentes quand même à certaines infrastructures. Ce que j'ai eu dire que le Premier ministre s'est intéressé à ça, parce que certains stades sont occupés pour des raisons sanitaires. Donc, il va falloir résoudre tout ça. Espérer, in fine, quand même que le championnat commence. Au pire des cas, il doit commencer au mois d'octobre, parce que, d'après tous les experts, ça vous le savez, il faut un certain nombre de mois, il faut une visibilité, il faut un nombre de jeux de requis, il faut un nombre de matchs de jouer pour espérer que les joueurs aient du rythme. Voilà, aider en cela par la bonne organisation et surtout sur les stades assez sympas à jouer, parce que ce sera aussi ça le challenge de ce championnat qui va commencer. C'est qu'il va falloir concentrer les équipes à jouer sur des stades assez sympas avec de bonnes pelouses, justement pour cette visibilité là, pour vendre davantage le Cameroun, espérer que pendant le CHAN, que les joueurs aient eu du rythme, qu'il y a eu une sélection assez sympa pour espérer remporter ça. Donc, le championnat, in fine, va se jouer. Le président du comité technique d'organisation, Alim Konaté, pour ne pas le nommer, s'est retracté en disant que le championnat avait été renvoyé à une date ultérieure. La date, elle n'est pas connue, mais je pense que d'ici à là, elle sera forcément connue, aidée en cela par les autorités en charge de la santé, par les autorités en charge de l'organisation du championnat, parce que je pense qu'en interne, tout sera fin prêt pour que le championnat commence enfin dans le but de l'interrompre en janvier pour le CHAN. When you look at the circumstances with everything ongoing, even the champions of last season, PWD, haven't yet received their trophy. They haven't received, there hasn't been any official ceremony. When you look at talking about October, do you think that with everything ongoing now, with the measures, barrier measures against the COVID-19, we can be able to begin the championship concretely in October with everything in place? Une chose est certaine, mon cher John Paul, c'est qu'on ne peut pas réunir tous les éléments pour la simple raison qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il n'y a que celle de Dieu qui l'est. Ça, c'est la première des choses. Et puis, deuxièmement, la pandémie n'est pas boostée hors. Elle n'est pas boostée hors du Cameroun encore. C'est vrai que les efforts sont faits sur le plan sanitaire pour amener les Camerounais de manière singulière et les étrangers qui vont au Cameroun à respecter ces mesures barrières. Donc, les mesures ne sont pas réunis parce qu'il y a les mesures inhérentes justement aux spectateurs au stade. Donc forcément, on ne va pas commencer un championnat avec les spectateurs. Donc toutes les mesures ne seront pas réunies à cause de la pandémie, à COVID-19. N'ayons pas peur de le dire, mais il faudrait quand même qu'il y ait le strict minimum qui permette aux joueurs, aux encadreurs et même aux spectateurs, du moins à une poignée de spectateurs qui iraient, même à nous les hommes de médias, que nous soyons justement à l'abri de cette pandémie-là. Donc c'est ce dont il est question. Ça c'est pour parler du volet sanitaire. Maintenant, sur une toute autre chose, sur un tout volet, autant pour moi, volet infrastructurel. Il faudrait justement que les stades soient sympas. Et même en club, il faudrait déjà que les assemblées générales se soient tenues. Il faudrait aussi que les clubs aient budgétisé justement leur saison, aidés en cela forcément par les pouvoirs publics, encore une fois. Donc, c'est autant d'éléments qui certainement sont en train de se résoudre à l'heure où on part. Et d'ici à là, lorsque une bonne partie justement de cette cuisine interne sera faite, peut-être pas totalement, le championnat va commencer. Parce que le challenge en réalité, c'est janvier, c'est le CHAN. Et heureusement ou malheureusement, le CHAN ne peut pas se faire sans championnat au Cameroun, parce que les internationaux auront des soucis. Le CHAN ne peut pas se faire sans infrastructure. Le CHAN ne peut pas se tenir si le Cameroun, de manière singulière, la Confédération africaine de football, ne se sont pas rassurés des mesures barrières à avoir pour que le CHAN se joue sans problème. Voilà. Donc, dire que ça va se faire en octobre, on l'espère bien, on l'espère bien, mais pas, j'ai envie de dire, dans les règles de l'art, parce qu'il n'y aura pas de spectateurs dans les stades. And with the list of Yves Kamaroga, with the players to begin their training session, and the 15, this will be another advantage for them when the league begins, because they would have some group training now, which is something that they've been deprived of for about 4 to 5 months now. Ah,
Oui, c'est vrai, vous faites bien de le mentionner. Ça pourrait être un avantage, mais ça dépendra. Certainement, vous allez interroger le sélectionneur, il va vous dire la nature du regroupement. Est-ce que physiquement, ce sera à la sélection, du moins au staff technique et au staff médical, j'allais dire, de la sélection, de les préparer sur le plan physique? Je pense que ça se fait en club, généralement. Et un léger avantage, oui, parce que certainement, ils auront déjà eu un esprit du groupe, un esprit de groupe même, je dirais, avec leur sélectionneur, même s'il va s'agir là de l'équipe nationale. Ah, après, oui, c'est toujours un avantage parce que psychologiquement, on se dit on n'a pas joué pendant 5 mois, on s'est coupé pendant 5 mois, ben on se regroupe et de fort belle manière, voyez-vous, avec la sélection. Mais on aurait espéré quand même, ça aurait été mieux si entre-temps, les clubs avaient repris les entraînements et que le 15, ces clubs-là auraient donné les internationaux à Clément Aroga et son staff pour peaufiner son stage. Donc voilà, avantage, oui, en réalité, pour faire simple, parce que l'esprit de groupe va se tenir, parce que l'esprit de cohésion sera manifeste et c'est très important aussi quand on joue en sélection d'être frères, d'être ensemble pour un moral très obofique, je pense. Right, and so the preparatory stage of the Intermediate Lions will begin from the 15th to the 25th of the month of September as they prepare for the upcoming African Nations Championship. Just after this break, we shall be right back. Mettre les points sur les i au sujet de la situation actuelle à la tête de l'Union sportive de Douala. C'est l'objectif visé par la conférence de presse tenue à Yaoundé. Quand vous êtes candidat, vous êtes en exercice jusqu'à ce qu'il y ait un autre exécutif qui est mis en place et vous qui êtes là. Je ne sais pas pourquoi cette déclaration a fait naître, même pas simplement dans l'Union. Je ne suis pas ici pour parler des autres... Mais même dans notre association des clubs, ça a fait naître des ambitions. Parce que les gens se sont dit, ah bon, s'il n'est plus là, ben, tant mieux. Ça veut dire que la place est ouverte et les escarmouches sont sorties. Donc voilà la situation. Et jusqu'à la convocation du prochain congrès pour que nous désignions le prochain président de l'Union de Douala, je suis le président de l'Union de Douala. Quand on vous dit qu'il n'y a plus de président à la tête de l'Union, qui donc va engager l'équipe? Qui va signer les contrats des joueurs? Le président en accès, le président sortant ou le PCA sortant, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le président, c'est celui qui est là. Et c'est moi. Pourtant, avant de se dédire, le président du Conseil des sages de l'Union sportive de Douala a récemment fait savoir que le mandat du PCA Franc Api est déchu et que le club est dirigé par un comité de direction chargé d'assurer la mutation du club d'association en société. Des déclarations de Prince Emmanuel Ngassa Api qui ont semé le trouble dans les esprits. Néanmoins, pour Franc Api, le président du Conseil des sages a été piégé par la presse pour prononcer sa déchéance. Nous sommes allés voir le président du Conseil des sages et la vérité c'est qu'il a été piégé. Je ne veux pas dire manipulé, non, manipuler c'est trop, c'est peu de mots, non. Il a été piégé. Il a été piégé. Le président du Conseil des sages, comme je le disais, il a 84 ans. Vous venez pas lui faire des interviews comme vous faites une interview à quelqu'un comme moi. Vous ne l'orientez pas, vous prenez le temps. Ce n'est pas une honte que de dire qu'il est âgé, il est du quatrième âge. Donc vous le prenez sur des faits, vous l'orientez et puis il commence à vous répondre et vous partez avec non. Au point où il a dit des choses là-dedans, après il dit mais non. Mais c'est... Et lui il disait qu'il faisait une discussion comme ça, informelle. Et ça a été, voilà, ça a été transformé comme ça a été transformé, même avec vidéo, mais ça ne veut rien dire. Pour l'instant, l'Union sportive de Douala ne connaît aucun problème de leadership, encore moins de bicéphalisme. L'organe prépare la mutation du club en société, mais c'est moi qui prends toutes les décisions, martèle le PCA. You're welcome back, ladies and gentlemen. So let's dive into our last item of the evening, Union Sportive of Douala, Emmanuel. And when we had the president... we're talking about Franc Api. He had a press conference out there in Yaoundé stating that he still remains the president of Union Sportive of Douala until a general assembly is organized. And with everything that has been ongoing as far as Union Sportive of Douala is concerned with Ngassa Api and Franc Api, what have you made of this situation and the recent outing of Franc Api?
Je voudrais déjà reconnaître tout l'effort que le président Franck Capy a fait pour le football depuis qu'il y est. Déjà comme consultant à STV, il a fait des choses sympas. Il a essayé justement à son niveau d'éclairer la lanterne. Quand il était un homme de médias à STV en sa qualité de consultant, évidemment qu'il n'a pas été le pionnier sur le plan international, je vais le dire comme ça, parce que Joseph-Antoine Bell a été avant lui. Mais localement, honnêtement, reconnaissons-lui ça. Reconnaissons-lui ce mérite d'avoir été consultant et mérite justement sur STV. Après, même lors de sa présidence avec Union de Douala, dans cette équipe-là, première année, il est champion, ne perdons pas ça de vue. Phase retour, il fait 11 matchs avec Johnny Reb, Jonker Bonaventure aux manettes sur le banc technique, 11 matchs, 11 victoires, et in fine, il est champion du Cameroun avec cette équipe de l'Union. Franck Capy a fait pas mal de choses assez sympas. Il faudrait déjà, d'entrée de jeu, moi je m'en voudrais de ne pas reconnaître ça. Il a essayé d'amener de la modernité au football camerounais, mais singulièrement dans son équipe de l'Union de Douala, avec les conférences d'avant-match, sur le plan de la communication, avec le Nasarakat, ne perdons pas ça de vue, il a fait des choses assez sympas, et surtout, absolument, et surtout, chose curieuse, aucune chaîne de télévision ne l'avait fait encore, peut-être ça n'était pas STV, mais moi j'ai commenté le match, Union de Douala à l'Ali, produite et commentée par une chaîne locale, et Franck Happy a permis ça à cette chaîne-là, de se mesurer à ces mastodontes de télévision parlant de la Ligue des Champions, même si c'était en phase de préliminaire. Vraiment, il faut applaudir Franck Capy. Mais après, maintenant, compte tenu de sa conférence, il faudrait déjà contextualiser sa conférence de presse. Pourquoi il fait la conférence de presse? Il explique pourquoi il l'a fait. Parce qu'entre-temps, quelques jours avant, il y a un journaliste qui va interroger le président du Conseil des Sages de l'Union. Il lui dit des choses pas sympas. Et d'après Franck Capy, en réalité, je ne mets pas en cause également ce qu'a dit le journaliste. Ça veut dire que je m'en tiens, je m'en réfère au dire de Franck Capy. Et du coup, ça a mis le prince Nkassa Happy dans tous ses états et il a dit des choses pas sympas à l'endroit de Franck Capy. C'est la raison pour laquelle le président du conseil d'administration à l'état de l'Union de Douala, c'est vrai, il le dit à raison parce que là, je ne sais pas encore tenu, il convoque une conférence de presse pour essayer d'expliquer ça. Mais il a apporté un certain nombre d'éléments d'explication qui tiennent la route à mon sens et je pense qu'il a raison et voilà, après la suite nous donnera raison. Mais une chose est certaine, Franck, il a été PCA de l'Union, il va en partir un jour, ça c'est vrai, mais reconnaissons-lui quand même ce mérite-là. Il était de bon ton avant, justement, à l'entame justement de cet entretien inhérent à ce que Franck Capy a dit, que nous révélions ça, que nous mettions ça devant le monde entier et exprimer quand même notre gratitude à Franck Capy pour ce qu'il a apporté dans le football au Cameroun de manière générale. His balance sheet as far as Union Sportive of Douala is concerned, like you said, one title, and he has spent 9 years at the helm of Union Sportive of Douala. Would you say if he's not, if he is going out now, he is going out proud, as a proud president, to have achieved what he achieved with Union Sportive of Douala? Ah oui, c'est une fierté, parce que évidemment que Union de Douala n'avait plus remporté de titre depuis. C'est vrai que Union de Douala, quand même, faire 9 années avec un seul titre, évidemment, c'est très insuffisant. Mais absolument. Donc, faire 9 ans, parce que Union de Douala, en réalité, s'inscrit dans ce que je qualifierais de club phare au Cameroun, de club mythique, autant que le canon de Yaoundé, tonnerre de Yaoundé dans une moindre mesure. Certaines équipes, comme Dynamo de Douala également, qui ont remporté 3 Coupes du Cameroun. Mais l'Union de Douala est cette équipe-là qui, en principe, se doit de remporter les titres tous les 5 ans. Donc, 9 ans avec un seul titre, honnêtement, sans Coupe du Cameroun, c'est pas très sympa. Mais reconnaissons lui quand même qu'après qu'il ait pris les rênes de l'Union, qu'il a été champion, qu'il a été vice-champion, voyez-vous, qu'il a joué les phases préliminaires de Champions League, etc., même si maintenant ça va décrescendo. Reconnaissons aussi à Franck Capy surtout qu'il a pris les rênes de l'Union, il a instauré la jeunesse, ce que beaucoup de clubs ne faisaient pas, qui puisait un club mythique comme Union, miser sur les jeunes et aller faire des résultats, ça n'est pas mauvais, mais il est fier d'avoir accompli certaines missions liées à la communication, liées à la visibilité de l'Union, liées surtout à la production des matchs africains d'une chaîne consoeur. Voyez-vous, c'est quelque chose à mettre vraiment à son mérite et en espérant que si les moyens suivent l'Union de Douala pour être cette équipe-là qu'on a connue il y a quelques années. All right, thank you very much, Emmanuel Mao, for being part of the program today. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je reviens quand vous voulez. And so, ladies and gentlemen, that does it as far as the program La Presse Refait le Match tonight is concerned. Until next week, Tuesday, for a fresh and brand new edition from us to you, it's bye-bye and stay tuned.